Une rentrée académique sous le signe de l'excellence à l'IAM, l'Institut africain de management. 10 années que l'Institut a ouvert ses portes et pour cette rentrée comme les précédentes, les motifs de satisfaction sont nombreux. L'école connaît un taux d'accroissement de 20% par rapport à l'effectif de l'année dernière. 17 de ses diplômes sont reconnus par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur et 2 autres sont en cours de reconnaissance. L'innovation majeure pour l'année académique 2017-2018, c'est l'introduction de modules sur l'entrepreneuriat dans les curricula. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il ne suffit pas de former pour former, former des employés seulement, il faut former aussi des employeurs à leur tour qui vont se retourner pour embaucher d'autres personnes. Parce que nous pensons que c'est la voie à suivre aujourd'hui. Et dans nos curricula de formation aujourd'hui, on a des cours sur l'entrepreneuriat et nos étudiants ont beaucoup entrepris. La rentrée académique 2017-2018 s'effectue dans un contexte assez particulier pour l'Institut. Il a récemment vu son image écorchée par un rapport du ministère en charge de l'enseignement supérieur qui le classe comme établissement de moyenne qualité. Pour le promoteur de l'IAM, les enquêteurs se sont tout simplement fourvoyés. IAM a été classé comme établissement de moyenne qualité, mais ils se sont trompés sur toute la ligne. Nous avons apporté des justificatifs parce que ce cahier de charge, c'est le minimum que toute école désireuse d'aller au CAMES doit répondre. Donc nous avons été étonnés, on est allé les voir avec tous les justificatifs. Ils sont reconnus qu'ils se sont trompés, ils ont corrigé. On attend maintenant que ça soit signé et que ça puisse être publié par le même canal que ce qui a été fait avant. La cérémonie marquant la rentrée officielle à l'IAM a été également ponctuée par une remise de l'eau aux meilleurs élèves de l'année dernière. C'est une grande fierté pour moi parce que le présenter aux parents, leur dire voilà, j'ai travaillé, l'école m'a félicité en me donnant ce présent. Même un simple papier, c'est un honneur. Parce qu'ils se diront qu'ils n'ont pas investi dans le vide pour mon éducation. Et le futur, j'espère pouvoir le prendre en charge plus tard avec ce que je vais pouvoir faire. Le début des cours a été effectif à l'Institut africain de management ce 10 octobre.